Les perturbations de notre époque affectent la santé physique et psychologique des individus et des collectivités. Adopter l'approche santé durable est une solution. La santé durable, c'est agir en prévention des maladies et faire la promotion de la santé. Encourager un mode de vie actif et améliorer l'aménagement du territoire sont des moyens à notre portée. La santé durable, c'est comprendre les changements démographiques et les besoins en santé pour transformer les soins et services. C'est offrir un meilleur accès et favoriser la collaboration de divers professionnels de la santé, voire d'autres milieux. La santé durable, c'est reconnaître que les perturbations planétaires nous affectent tous et toutes. C'est étudier leurs effets, partager les savoirs qui découlent des recherches et favoriser l'implication citoyenne. La santé durable, ça peut être bien des choses, mais c'est toujours veiller à l'atteinte d'une santé physique et d'une santé mentale optimale pour les populations actuelles et les générations futures. La santé durable est un projet collectif pour lequel la recherche a un rôle crucial à jouer. Que vous soyez du milieu de la recherche, de la santé, décisionnel, communautaire, tous les citoyens et citoyennes font partie de la solution. Je suis Carole Jabbé, directrice scientifique du Fonds Recherche Québec Santé. Un défi fort stimulant se présente à nous. Embarquez-vous avec moi ?